Consacré à la Révolution, c'est normal. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je présenterai encore un peu mieux dans 2-3 minutes, pas plus, je le promets, Yannick Bosc, qui enseigne l'histoire à l'Université de Rouen, et Florence Gauthier, qui, comme lui, n'a pas besoin d'être présentée, qui enseigne à Paris 7. Vous êtes venus pour entendre parler ces deux collègues, amis et orateurs du livre réédité, bien sûr, d'Albert Mathiez, consacré à la réaction thermidorienne, livre qui est paru aux éditions La Fabrique, que dirige notre ami Éric Cazan, ici présent, connu pour ses interventions, ses livres et son activité éditoriale dans le domaine de l'art. À un certain moment, et puis dans un autre domaine, dans le domaine de ces éditions si dynamiques en ce moment. Je prends encore 1 minute 15 sur les 3 que je me suis octroyé pour protester solennellement, une fois de plus, c'est hebdomadaire, contre le combat que devient désormais l'organisation de tels rassemblements. Vous savez que c'est à l'occasion, pour ne pas dire dans le cadre du séminaire Marx au XXIe siècle, que nous organisons alors d'abord une journée qui a lieu demain, le 13 novembre, à la Sorbonne, en jouant des coudes, en demandant 22 permissions, salle Marc Bloch, escalier C, premier étage, de 9h à 12h, et puis à l'amphithéâtre Lefebvre, siège habituel de notre séminaire Marx l'après-midi, journée qui est intitulée « La formation de l'homme nouveau dans le discours révolutionnaire ». On organise ça en collaboration avec l'Institut d'histoire de la Révolution française, nos collègues de l'étage au-dessus de celui de la philosophie. Je répète, Marc Bloch le matin, Lefebvre l'après-midi. Dans la Sorbonne, devenu un chantier, bouclé quant à ses portes, c'est rare d'en voir plus d'une ouverte en même temps, filtré quant à ses usagers, c'est le terme consacré aujourd'hui, en français, professeurs et les étudiants. On arrivait à avoir des salles le samedi, mais ça a été extrêmement difficile, en français, impossible d'en obtenir une ce soir, vendredi 12, où nous avions prévu justement de préparer, d'ouvrir ce petit cycle Révolution française grâce à cette bienheureuse réédition. Alors nous nous retrouvons à l'Institut d'art et archéologie, maison aimée par beaucoup d'entre nous. J'ai parlé d'amis et d'amour un maximum de fois dans mon petit discours, mais en gros c'est quand même le savoir et les lieux de savoir. Mais il va de soi que malgré 5000 mails adressés à mes 5000 clients, pour parler moderne, on arrive à cette constatation. Vous n'allez pas être grondé parce que vous êtes peu au grand meeting. Vous êtes félicité, mais enfin, j'imaginais qu'on aurait quelque chose qui serait un peu cousin quant à l'effectif des 100, 200, voire 400 personnes que nous avons réunies encore il y a 1 ou 2 ans, dans les plus grandes occasions, à notre séminaire Marx. Alors, ça n'est pas le cas, mais les meilleurs sont là, comme d'habitude. On est immortalisé, et ça sera immortalisé dans le virtuel grâce à Maria Kolleva. Et j'ai beaucoup parlé pour ne rien dire, mais c'est un peu le rôle d'un président. Je donne enfin la parole en les remerciant plus que chaleureusement à je ne sais pas dans quel ordre. Ça, c'est leur démocratie qui le décidera, Yannick Bosc et Florence Gauthier. Merci, chers amis. Merci beaucoup. C'est moi qui vais commencer. Et on s'est partagé le travail donc avec Yannick, et nous allons continuer de nous partager le travail. Alors voilà, c'est une histoire compliquée que celle de la Révolution française. Et cette révolution n'a pas bonne presse aujourd'hui. À peine aura-t-on évoqué la Révolution qu'une suite d'insultes maintenant. Enfin, maintenant, pas, c'est pas tout récent.
donc d'un sud de préjugés qui déferlent et qui viennent des politiques et de la presse, mais aussi de certains courants historiographiques. Alors, la Révolution française a concentré et concentre sur son nom des séries accumulées de calomnies. Là, il y a un processus très très spécial, très particulier, qui la caractérise. C'est vraiment de concentrer des séries accumulées de calomnies qui dessinent les figures nombreuses de monstres politiques. J'en indique quelques-uns rapidement. Terreur et terroriste, anarchie, sans-culottes, populace, dictature, centralisme jacobin, révolution bourgeoise, aujourd'hui, souverainisme, Robespierre en est un ancien, les nouveaux usages à l'heure actuelle, c'est centralisme jacobin et souverainisme qui sont adaptés à la situation actuelle. Alors si on prend le mot anarchie qui est apparu dès 1789 et qui a servi à légitimer le coup d'état du 9 Thermidor, 27 juillet 1794, pardon, pour disqualifier la politique démocratique menée par la Convention montagnarde, de juin 1793 à juillet 1794, c'est comme ça qu'à l'époque on parlait, on disait anarchie. Et c'était le monstre politique de l'époque. Celui de la dictature, pour nommer la même chose, est apparu, mais beaucoup plus tard, au tournant des 19e-20e siècles, lorsque la notion de dictature est devenue une référence qui a traversé, comme on le sait, une certaine droite et une certaine gauche. Et puis, dans les années 1930, la Révolution française est devenue, qui était devenue dictatoriale, s'est vue transformée en quelque chose de nouveau. Elle est qualifiée de bourgeoise. Elle est qualifiée de bourgeoise par le congrès des historiens marxistes réunis à Moscou en décembre 1930. Je reviendrai sur cette affaire, bien sûr, puisqu'elle concerne précisément Albert Mathier et l'introduction que nous avons faite avec Yannick Bosque de ce livre. Alors, dans l'historiographie française, la thèse d'une dictature du comité de salut public, avec prédominance d'un pouvoir personnel attribué à Robespierre, Robespierre qui sert depuis le 9 Thermidor d'éternel bouc émissaire, cette thèse a été développée entre les années 1930 et 1960. Je rappelle la thèse de la dictature du comité de salut public. Et par des historiens du Parti communiste qui lui attribuaient alors une connotation positive, positive. Et elle est devenue négative par l'emploi renversement par François Furet. On est passé de cette même appellation avec une connotation qui change. Une petite critique venue d'une extrême gauche antistalinienne a pris fait et cause pour ce qu'elle a cru être son propre visage, celui des enragés, et autres hébertistes et autres curés devenus rouges, des curés rouges. Ils ne l'avaient jamais été au XVIIIe siècle, ils l'avaient été peut-être au XIXe siècle, en tout cas, voilà, ils sont devenus des curés rouges, et qui sont mis dans le même chapeau que ce terme de l'avant-garde prolétarienne de la révolution bourgeoise. Alors ça, c'est un dispositif qui se met en place dans les années 1930-1960. Dans les années 1970, une nouvelle version sortait de ses manipulations initiales et fabriquait un Robespierre précurseur de Staline. Alors, on est dans un renversement à nouveau, ici, et qui faisait de la bourgeoisie et du capitalisme les héros de cette histoire. Et si vous n'en croyez pas vos oreilles, je vous conseille d'ouvrir les livres de Georges Lefebvre et même d'Albert Soboul et de leur école pour découvrir que le mouvement populaire était révolutionnaire quant à ses revendications politiques et sociales, mais contre-révolutionnaire en ce qui concerne sa lutte contre le capitalisme. J'y reviendrai, parce que c'est important de le comprendre. Je ne suis pas là pour les dire des choses floues dans l'à peu près. C'est important, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et c'est donc après une période de surprise de la part des adversaires d'une démocratie sociale, qui a duré, la surprise, jusqu'au bicentenaire, 1989. Les interprétations venues de ces historiens qualifiés de marxistes, ou qui se disaient eux-mêmes marxistes,
ont été ensuite vulgarisées pour permettre de retourner le jugement positif en négatif et donner le coup de grâce. Alors voilà le coup de grâce qui va venir dans les années 70. La Révolution française fut alors présentée comme la matrice des totalitarismes au pluriel du XXe siècle. On lui inventa même un petit génocide en Vendée pour faire comme il fallait. Alors tout rentrait dans l'ordre et la Révolution française servirait dorénavant comme mère de tous les monstres politiques passés et futurs. J'insiste sur cette fonction, sur cette fonction parce qu'elle est vraiment caractéristique. Elle a été inventée avec le 9 Thermidor. Le dernier né de ces monstres politiques a été inventé par certains courants féministes des États-Unis, venus des États-Unis, qui ont fabriqué un mélange étincelant. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, apprend-on chez elle, n'est pas autre chose que la Déclaration des droits des mâles. Ah, voilà les machos. Les mâles réduisant la signification du terme homme à un seul de ses usages et ignorant qu'en français, le terme homme peut recouvrer les deux sexes. Alors, cette lecture ignorante est à contresens et on en a déduit, ces féministes américaines, on en a déduit que les droits des mâles se construisaient contre ceux des femelles. Oui, absolument. La Révolution française devenait un nouveau monstre, et Robespierre, le petit émissaire de service, concentrait dans sa personne une haine des femmes, non prouvée d'ailleurs, mais c'est sans importance cela. Alors cette grosse sottise a rejailli sur le nom même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, suspectée de misogynie. Et aujourd'hui, le terme Déclaration des droits de l'homme est suspecté de misogynie. Faut le faire. Je rappelle l'existence de deux synthèses successives de ces manipulations, qui sont les plus récentes. Celle de François Furet avec « Penser la Révolution française », qui date de 1979, et qui a repris, elle traînait là quelque part, il l'a reprise, la Révolution comme matrice des totalitarismes au pluriel du XXe siècle. Et puis une plus récente, celle de Pierre Rosanvallon, dans le modèle politique français, sous-titré « La société civile contre le jacobinisme », faut le faire, « La société civile contre le jacobinisme » de 1789 à nos jours, et cet ouvrage magnifique date de 2004. C'est tout récent, tout frais. Alors ici, il n'est plus question, ni dans le livre de Furet, ni dans celui de Rosanvallon d'ailleurs, de l'histoire de la Révolution française, mais de théorie politique appelée « modèle ». Et chez Rosanvallon, le modèle, c'est le jacobinisme, la synthèse de tous les monstres politiques, y compris celui de la discrimination du sexe féminin qui a été annexé par Rosanvallon et en avant. Alors, cet état d'historiographie qui place la Révolution française à l'origine des monstres politiques, dépecés par petits morceaux, comme à l'étal d'une boucherie, et dont la fonction consiste à gommer la réalité des faits historiques, ça c'est très important, et l'effort également d'une compréhension de l'événement, nous a incité, avec Yannick Goss, à rééditer ce livre d'Albert Mathier, La réaction thermidorienne, qui est un livre qui date de 1929, et qui a donné lieu, en son temps, à une bataille qui représente un véritable tournant intellectuel. Et c'est de celui-là que je vais vous parler. Alors je voudrais rappeler rapidement la biographie de Albert Mathier. Albert Mathier est né en 1874 dans une famille de paysans. Bon élève, il a réussi à rentrer à l'école normale supérieure et là il a rencontré ses deux grands amis, les deux grands amis de sa vie, de ses débuts, Charles Péguy et Albert Lévy. Il est devenu historien de la Révolution française et il va fonder la Société des études robespierristes en 1807 et une revue Annales d'histoire de la Révolution française, parce qu'il était en désaccord avec les méthodes de travail d'Alphonse Solard, qui était le responsable scientifique du centenaire de 1889. Alors il faut expliquer rapidement pourquoi il s'est trouvé en désaccord avec Solard, parce que c'est intéressant, ça concerne la méthode de travail de l'historien, et ça va revenir à différentes reprises. Je raconte rapidement. Hollard lui avait demandé un article pour sa propre revue
Et il lui a à la lecture de son article, il lui a demandé de supprimer un passage sur le fait que le directoire avait persécuté les catholiques. Il lui demande de supprimer ce passage. Et Mathieu, qui était tout jeune, a refusé. Il était courageux. Il a refusé et il a rompu ensuite avec Ollard, qui a publié son article. Mais enfin, parce que Ollard manipulait l'histoire à des fins partisanes. Durant la guerre de 14, Mathieu prit conscience des tendances despotiques du gouvernement français d'Union sacrée, qui concentrait les pouvoirs législatifs et exécutifs, et qui traitait les peuples, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec un grand mépris. Il a écrit plusieurs articles politiques dans cette période et à ce sujet, et il va dénoncer ensuite, à la fin de la guerre, l'occupation de la Ruhr pour sa sévérité à l'encontre du peuple allemand, prévoyant des conséquences très négatives qui se reporteraient dans les relations entre les deux peuples. En 1917, Mathieu s'est enthousiasmé à la nouvelle de la révolution russe et dès la création du Parti communiste français en 1920, il y adhère. Il y rentre en 1920, mais il en ressort très vite, en 1922. Mathieu s'était inquiété de l'absence de souveraineté populaire et de démocratie dans la révolution russe. Il a écrit plusieurs articles dans la presse à ce sujet, là aussi. En 1920, il analyse avec lucidité la nature du pouvoir du parti bolchévique. À cette date, il attendait, il espérait que des institutions démocratiques apparaissent à la fin de la guerre civile et qu'il fallait patienter. Et il voyait bien l'effort des soviets et il le justifie ainsi. Je le cite parce que c'est intéressant. Les soviets, le soviet, organe caractéristique de la nouvelle démocratie qui monte à l'horizon de l'Orient. Mais il apercevait aussi leur fonctionnement qui tendait à les bureaucratiser, et il les compare à la situation des syndicats en France. Je le cite là aussi, c'est intéressant. « Comme les permanents de nos syndicats forment déjà une aristocratie d'exécutants au-dessus de la masse soi-disant souveraine. » C'est dans un article intitulé « Le bolchevisme est-il antidémocratique ?» et qui était publié dans « Le progrès civique ». Alors le danger réside à ses yeux dans la bureaucratisation des soviets conquis par le parti bolchevique qui risque de modifier leur rôle. Et en effet, Mathieu n'a jamais accepté le principe d'une dictature exercée par un parti ou par un chef suprême, ces questions qui étaient si prégnantes dans la période, depuis la fin du 19e siècle d'ailleurs. Mais en 1922, il rompt avec le parti communiste parce que la Troisième Internationale intervenait dans les affaires intérieures du PCF et réclamait l'exclusion de certains de ses membres, dont Henri Fabre, Souvarine, Frossard, et puis l'exclusion de tous les membres qui ont des mœurs bourgeoises. Mathieu quitte alors le parti, et son analyse de la situation est très intéressante. Il a publié dans la presse le 28 juillet 1922, je le cite, « Je ne conçois pas de dictature au sein du parti. La dictature n'est admissible qu'en période de catastrophe, quand on ne peut pas éviter de s'en servir. Mais c'est une folie de s'imaginer qu'on peut obtenir des hommes, des sacrifices par l'obéissance passive. Des commandements donnés de haut et imposés sans discussion sont bons pour des esclaves. Des hommes libres refuseront toujours de s'y conformer. Discipline tant qu'on voudra, mais discipline librement consentie et comprise. » Ou encore dans une lettre à Maurice d'Aumanget de 1922. « Les gens de Moscou se trompent grossièrement. La révolution ne sortira pas des conciliabules. Le jour où les Français s'apercevront que leurs délibérations dans les groupes et dans les congrès sont truquées, qu'on leur impose des résolutions préparées dans le secret, ils jetteront en l'air les soi-disant dictateurs. Le machiavélisme naïf des moscovites m'inspire autant de pitié que de dégoût. » Mais s'il rompt avec le Parti communiste, il continue d'avoir des relations amicales avec des historiens soviétiques. Il les accueille à Paris, il publie leurs travaux dans sa revue. Et en 1928, un tournant se dessine. On voit naître le système stalinien dans le domaine de l'histoire avec le congrès des historiens marxistes réunis à Moscou
du 28 décembre 1928 au 4 janvier 1929. L'objectif de ce congrès est de faire du marxisme, je cite, « l'unique méthode de recherche scientifique ». Tamara Kondratieva a écrit un livre sur cette question intitulé « Bolchevique et Jacobin » qui a été publié en 1989 et elle étudie la construction de ce qu'elle appelle la version stalinienne de l'histoire de la Révolution française. La Révolution française, dans sa phase démocratique 1792-1794, représentait au XIXe siècle l'effort d'un peuple qui était parvenu à construire et imposer pendant un certain temps, bref, mais qui a existé, sa souveraineté et sa démocratie, une démocratie entendue comme une participation effective à l'élaboration des lois et au contrôle de leur application. Elle brillait tout au long du XIXe siècle dans la nuit du despotisme pour avoir réussi à abolir l'oppression féodale en faveur de la paysannerie et non de la classe des propriétaires fonciers, pour avoir soutenu la révolution des esclaves de Saint-Domingue-Haïti, mais cet aspect a été occulté dans l'historiographie de la Révolution française depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au bicentenaire. Presque un siècle. Elle brillait encore pour avoir amorcé un programme de droits sociaux et économiques qui rendait illégal un droit de propriété illimité propre au système capitaliste et que les montagnards ont commencé de mettre en pratique avec les réformes agraires, avec la politique du maximum, comme on l'avait appelé, des droits sociaux gérés au niveau de la commune, les décrets de Ventose présentés par Saint-Just le 3 mars 1794 à la Convention. Je cite Saint-Just. Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français, que cet exemple fructifie sur la terre, qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Robespierre, de son côté, avait appelé ce grand projet l'économie politique populaire. C'est une appellation extraordinaire, très intéressante. Elle a disparu des livres et des rééditions des textes de Robespierre. L'économie politique populaire en lutte contre l'économie politique tyrannique. Voilà les termes de la critique de l'économie politique qui est faite au XVIIIe siècle. Mais pour le congrès des historiens marxistes de Moscou, la Révolution française ne devait plus briller comme une expérience historique pleine de promesses pour les peuples, et ce congrès la transforma comme par magie en révolution bourgeoise. Alors précisons le point suivant. Des interprétations de la Révolution française avaient déjà voulu imposer l'idée que ce qui importait dans l'événement révolution, ce n'était pas la révolution populaire et démocratique, mais l'aristocratie des riches qui triomphait depuis Thermidor. C'était ça l'épisode important de la révolution. Donc on déplaçait la chronologie et on partait de Thermidor. Et ça nous donnait une aristocratie des riches, une aristocratie, puisqu'il n'y avait plus de démocratie, et avec de nombreuses variantes en fonction du parti pris en faveur de telle ou telle faction de cette aristocratie de la richesse. Ce que firent ces historiens marxistes de Moscou et d'un autre ordre, ils disqualifièrent la révolution populaire en la mettant à l'ombre de la bourgeoisie. C'était la révolution russe qui devait briller dans la mémoire des peuples comme celle de l'avenir. Le critère de distinction était l'emploi du terme prolétarien. La révolution russe était indiscutablement prolétarienne pour ces historiens et la science prolétarienne venait de naître et condamnait la science bourgeoise. Les historiens marxistes se formaient en armée, partant à l'assaut des positions bourgeoises comme s'ils partaient à la guerre. Alors je cite l'intervention d'ouverture du président de ce congrès, Pokrovski. Nous, historiens marxistes, comme nous nous appelons en URSS, nous sommes un des détachements de l'armée de Lénine et la situation du front dans son ensemble explique aussi bien nos tâches. Nous avons sur ce front notre place déterminée. Nous avons des ennemis précis. Nous avons des positions déterminées que nous défendons et que nous prenons d'assaut. Et ce sera effectivement la guerre. En 1930, l'historien Tarlé est arrêté. Mathieu prend sa défense. Il dénonce ensuite l'exécution de 48 intellectuels russes. Il est alors qualifié
je cite, d'ennemis de la révolution prolétarienne, d'ennemis de l'État ouvrier révolutionnaire. Une campagne contre l'esprit de Mathier se développe en URSS dans les années suivantes. Une campagne qui vise les historiens russes atteints de mathiésisme. On inventa même un mot insultant en russe pour désigner cet esprit. Pour les historiens marxistes du groupe dominant, stalinien donc, le jacobinisme, et revoilà ce mot, jacobinisme, réutilisé aujourd'hui par Rosanvallon, d'une façon extrêmement rusée. Le jacobinisme devint un adversaire de la révolution prolétarienne et la Gironde, comme la montagne, des factions de la bourgeoisie. Toute l'invention démocratique réalisée de 1792 à 1794, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux institutions communales, la souveraineté populaire, la citoyenneté, la séparation des pouvoirs, le contrôle des citoyens sur leurs députés, furent disqualifiés et considérés comme un formalisme sans intérêt. Alors il est intéressant de préciser que cette nouvelle version du marxisme dominante à l'époque partageait un nombre important de positions avec la contre-révolution développée depuis 1789. Premièrement, la disqualification de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui servait, dans la théorie politique du XVIIIe siècle et de la Révolution, à éclairer les citoyens et les députés, soit une politique de la philosophie. La contre-révolution s'était acharnée à critiquer et à refuser la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pendant la période révolutionnaire de 1789 jusqu'à 1795. Et elle y parvint enfin en 1795, après 9 thermidor, et la Constitution de 1795 chassa donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pendant un siècle et demi, c'est intéressant ça, de 1795 à 1946. Il n'y a plus de déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le droit constitutionnel français. C'est intéressant. Et il est revenu, ce texte est revenu, c'est la déclaration de 1789, est revenu en 1946, après la guerre contre le nazisme. Ce sont des contre-révolutionnaires comme Joseph de Maistre, Rivarol, mais aussi le parti des colons esclavagistes, qui firent de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen un grimoire abstrait. C'est ça le mot qui est important ici pour eux, abstrait. Entendu soit comme un code dangereux à cause de l'égalité en droit, soit comme un vain formalisme. Présenter le droit comme une abstraction métaphysique est une étonnante qualification. Et aujourd'hui, nous qui sommes en train d'être dépouillés de nos droits par plusieurs gouvernements successifs, nous devrions être davantage en mesure de résister à une telle erreur d'analyse. Revenons à Mathier qui répondit à cette offensive dans différents articles publiés dans sa revue des Annales historiques de la Révolution française. Il fut un critique perspicace de ce que représentait cette prise de pouvoir par le courant marxiste-stalinien, même s'il ne lui restait que 2 années à vivre à Mathier. Voilà ce qu'il écrit en 1931 à propos de ce marxisme. C'est une hypothèse, sans doute, mais une hypothèse féconde qu'il y a toujours lieu d'examiner et de vérifier dans les faits. La méthode devient néfaste si, au lieu de se présenter pour ce qu'elle doit être, elle prétend s'ériger en vérité dogmatique et démontrée. Elle est néfaste parce qu'elle préjuge à l'avance de la question posée. Elle fausse les faits pour les faire rentrer dans la théorie. Et c'est le cas de nombreux historiens soviétiques qui incorporent l'interprétation marxiste de l'histoire à l'État russe d'aujourd'hui et traitent d'hérétiques tous ceux qui doutent de leur démonstration, d'ailleurs contradictoire. Ou encore, dans la Russie de Staline, il n'y a plus de place pour une science libre et désintéressée, une science tout court. L'histoire, notamment, n'est plus qu'une branche de la propagande. On le voit, Mathier ne rejette pas la méthode marxiste, mais refuse ses usages dogmatiques. Il a déjà subi celui d'Hollard. Il le retrouve avec ce courant marxiste dominant qui a tenté de l'assassiner intellectuellement. Albert Mathier meurt le 25 février 1932, en plein cours, d'une hémorragie cérébrale. La notice nécrologique qui parut dans l'Humanité, sous la plume de Jean Fréville, exprime l'adhésion du Parti communiste français
aux thèses de ce courant d'historiens marxistes de 1928-1929. Fréville écrit, je cite, « Mathier fut un démocrate petit bourgeois, un jacobin pétrifié, devint encore le jacobinisme, un jacobin pétrifié en dehors du mouvement de l'histoire vivante. Quand l'historien Tarlé fut arrêté à Moscou en 1930, Mathier mêla sa voix aux imprécations démocratiques des ennemis du prolétariat international. » Voilà pour les accusations d'ordre politique. Mais Fréville, qui n'est pas historien, mesure le travail de Mathier à l'aune de la version officielle du Parti communiste, qui présente Robespierre comme l'ennemi d'un parti des enragés. Parti, écrit Fréville, et je le cite, que nous, le parti des enragés, nous, communistes, saluons comme le porte-parole des ouvriers parisiens de 1793. Alors cette interprétation est fantaisiste. Mathier l'a montré avant qu'il ne soit érigé en parti des enragés. Robespierre sert de chef dictatorial qui déciderait de la vie et de la mort de ses enragés, et ça encore, c'est une pure fiction. Je cite, « Le parti des enragés n'existe pas davantage. Il a été fabriqué de toutes pièces par cette thèse dite communiste qui est liée à l'interprétation de la révolution bourgeoise. » Non, c'est moi que je citais, pardon. « À cette bourgeoisie, il faut un embryon de prolétariat organisé, et le voilà, fabriqué avec Varlet, Leclerc, Jacquot, en partie des enragés. » Alors nous voici en présence d'un exemple typique de falsification de l'histoire, alors que ces trois individus ne se sont jamais unis. La thèse d'Albert Soboul, un peu plus tard, sur la sans-culotterie parisienne, l'a prouvé. Cette même interprétation dite communiste invente encore un Babeuf qui aurait combattu Robespierre et qui serait, mieux encore que ce pseudo-parti des enragés, un précurseur du communisme. Fréville, dans sa notice nécrologique, toujours, ajoute que Mathier s'est trompé lorsqu'il appelle, je le cite, « quelque part, Babeuf, le disciple et l'héritier de Robespierre ». Le problème est que les sources prouvent l'inverse, et pas n'importe quelle source. Babeuf lui-même et Bonarotti, qui fut l'historien de la conspiration pour l'égalité dite de Babeuf. Alors, écoutons Babeuf dans une lettre à son ami Baudson, datée du 29 février 1796. 96, il est en plein dans ce qu'on appelle, ce que Bonarotti appelait la conspiration pour l'égalité, et il va se faire arrêter dans les semaines qui vont suivre. « Je ne crois point encore, avec et comme toi, impolitique et superflu, d'évoquer les cendres et les principes de Robespierre et de Saint-Just pour étayer notre doctrine. D'abord, nous ne faisons que rendre hommage à une grande vérité sans laquelle nous serions trop au-dessous d'une équitable modestie. Cette vérité que nous ne sommes que les seconds gracques de la Révolution française. N'est-il pas utile de montrer que nous n'innovons rien, que nous ne faisons que succéder à des premiers généreux défenseurs du peuple qui, avant nous, avaient marqué le même but de justice et de bonheur auquel le peuple doit atteindre ? » Et dans ses travaux, Mathier insistait sur le fait que le mouvement ouvrier en France, comme en Grande-Bretagne, le mouvement ouvrier se réclama, au lendemain de la Révolution, de l'expérience des Montagnards et de Robespierre jusqu'à la Commune de Paris de 1871. Bien que calomnié de façon infamante, saluons la perspicacité d'Albert Mathier qui trouva les forces pour résister au dogmatisme de son temps grâce à sa méthode critique des sources comme des interprétations et refuser une histoire manipulée. Le savoir et la compréhension des choses humaines comme l'histoire sont toujours menacés d'instrumentalisation au service de l'action comme le croyaient et voulaient les positivistes, comme le croient ceux qui, aujourd'hui comme hier, veulent soumettre leur discipline au service d'une force partisane. Ce qu'il rappelle en conclusion de son avertissement à la réaction thermidorienne, je le cite. « Ma méthode consiste toujours à présenter au lecteur un récit aussi complet que possible, fondé sur les documents les plus authentiques, préalablement interprétés et critiqués dans un esprit rigoureusement scientifique. Je n'écris pas pour catéchiser, pour recruter des adhérents à tel ou tel parti, mais pour instruire et renseigner.
Je croirais déchoir à mes propres yeux si je me préoccupais, quand je prends la plume, du parti que tireront de mes écrits les politiques du jour en France et à l'étranger. Que ces hommes d'action rouge, noire ou blanche, s'efforcent d'exploiter mes livres au profit de leur cause, avec plus ou moins de bonne foi, c'est un ennui que je dois supporter avec calme. Ni leurs éloges, ni leurs injures ne me feront dévier de ma route. Si l'histoire est la politique du passé, ce n'est pas une raison, au contraire, pour qu'elle devienne l'humble servante de la politique, ou plutôt des politiques du présent. Elle n'a de raison d'être que si elle dit en toute indépendance ce qu'elle croit être la vérité. Tant pis pour ceux que la vérité blesse, ou plutôt, tant mieux, car c'est peut-être une des conditions du progrès. Les successeurs de Mathy après sa mort, les successeurs en histoire de la Révolution française, Georges Lefebvre et Albert Soboul, vécurent à l'époque de la domination de ce courant marxiste stalinien et se trouvèrent confrontés en tant que chercheurs au grave problème de fausser les faits pour les faire rentrer dans la théorie. Ils le firent, mais on peut ajouter, et c'est intéressant, non sans douleur. Je voudrais rappeler en quelques mots, parce que ça me paraît important, je vais rappeler ça rapidement. J'ai été l'élève d'Albert Soboul, et je me suis donc trouvée en face de ses interprétations et manipulations. Soboul m'a appris le métier d'historien, et j'ai eu la chance de pouvoir parler de ces questions de méthode avec lui, car il était conscient, d'une certaine manière, de ces manipulations auxquelles il avait participé. Et il était en même temps capable d'en parler. Mathieu travaillait dans les dernières années de sa vie avec Georges Lefebvre et il a vu l'adhésion de ce dernier aux thèses de ce courant des années 30, ce qui l'a beaucoup inquiété. Et il a écrit un compte-rendu d'un livre que Lefebvre a publié en 1930 là-dessus. Et puis les morts. Georges Lefebvre a été un historien important du mouvement paysan pendant la Révolution. Il a ainsi mis à découvert le mouvement populaire qui n'avait pas été étudié de façon érudite par les archives. Parce que la Révolution française a été jusqu'à la Commune de Paris, disons, un événement qui était encore porté par des gens qui l'avaient vécu ou qui avaient vécu près de gens qui l'avaient vécu. Hein. Bon, voilà, donc c'est un tournant dans l'histoire, cela, c'est très important. Lefebvre découvrait ce mouvement populaire et en même temps il a fait exploser avec cette découverte du mouvement populaire la thèse stalinienne, pour simplifier. Alors comment ? Il a mis à découvert le mouvement paysan autonome quant à sa revendication économique et sociale, autonome dans ses crises, dans ses procédés, dans ses capacités d'organisation. La direction soi-disant bourgeoise de la Révolution disparaissait ici, elle disparaissait. Alors, comment faire rentrer les faits dans la théorie ? Lefebvre a inventé un curieux mythe. Cela donnait un mouvement paysan révolutionnaire sur le plan politique, mais rétrograde par, je le cite, ses tendances anticapitalistes. Ses tendances anticapitalistes et donc contre-révolutionnaires. Ses élèves poursuivirent ce grand travail de recherche en direction du mouvement populaire urbain. Et Soboul publia sa thèse sur les sans-culottes en 1958. Lui aussi reprit le mythe de Lefebvre d'un mouvement révolutionnaire politiquement révolutionnaire et rétrograde dans ses tendances anticapitalistes. Ce mythe est fort étrange pour des gens qui se présentent comme marxistes. Condamner le mouvement populaire parce qu'il est anticapitaliste a quelque chose de difficilement compréhensible. En 1958, la thèse de Soboul fit néanmoins scandale parce qu'il mettait en lumière les sans-culottes dans les assemblées générales des sections de communes, leurs pratiques démocratiques qui ont été connues de façon de plus en plus détaillée. C'est ainsi qu'il démontra l'inexistence d'un parti des enragés sur lequel cette théorie stalinienne reposait dans les années 30. Il en vint même à préciser qu'il existait deux tendances dans le mouvement populaire, l'une qui correspondait aux thèses d'un parti autoritaire et l'autre au mouvement anarchiste. Il a même été suspecté au sein du Parti communiste comme un curieux anarchiste égaré.
On aperçoit ici que je ne fus pas sans interrogation qu'il en vint à rallier cet étrange mythe. Comme Lefebvre, d'ailleurs, il parle avec beaucoup d'amitié, beaucoup de tendresse de ce peuple de sans-culottes, des villes et des campagnes. Mais le mythe est resté. Le mythe est resté, il a profité aux adversaires des révolutions et de la démocratie et du marxisme. Et c'est sans doute le plus grave. Après la mort de Sogoul, ses adversaires ont repris ce cadeau offert par des gens de gauche. Car les regrets de Lefebvre et de Sogoul ne les ont pas conduits au rejet de ce mythe. Ce mythe n'est toujours pas aujourd'hui rejeté. De la thèse stalinienne, François Furet, ancien membre du Parti communiste, en a fait une révolution des élites. Et du mouvement populaire rétrograde par ses tendances anticapitalistes, il en a fait le dérapage de la révolution chaque fois que le peuple intervient. Ça dérape. Aujourd'hui, la thèse de Furet selon laquelle la révolution française serait la matrice des totalitarismes du XXe siècle a été adoptée dans l'histoire, disons officielle. Le terme jacobinisme est devenu sa prison. L'expression centralisme jacobin est utilisée à tort et à travers pour désigner ce que l'on nomme l'exception française qu'il faut éradiquer. C'est la dernière mouture de Rosanvallon. Pour conclure sur la mise en scène permanente de ces monstres politiques que j'évoquais tout à l'heure, je voudrais rappeler comment Robespierre refusait les mots de jacobin et de jacobiniste employés depuis leur apparition en octobre 1789, de façon péjorative et par la contre-révolution. Alors nous sommes à la Convention le 8 Thermidor an 2, à la veille du 9. Robespierre, qui s'est retiré de sa fonction de député et de membre du comité de salut public depuis environ 2 mois, est revenu à la Convention pour exposer ce qu'il pense des attaques des adversaires de la montagne. Donc on ne l'a pas vu depuis très longtemps, hein. Il n'exerce plus le pouvoir. Il précise l'usage des mots qui remplace et déplace ceux des institutions démocratiques, le rôle des députés élus, celui des citoyens qui les contrôlent, en un système de tyrannie. Il y a toute une série de calomnies à l'époque qui circulent sur ces questions. Je cite Robespierre. N'avez-vous pas remarqué, il s'adresse aux députés, n'avez-vous pas remarqué que pour vous isoler de la nation, ils ont publié à la face de l'univers que vous étiez des dictateurs régnant par la terreur et désavoués par le vœu tacite des Français? N'ont-ils pas appelé nos armées les hordes conventionnelles? La Révolution française, le jacobinisme? Jacobinisme signifie depuis 1789 Révolution française pour les contre-révolutionnaires, et cet emploi s'est, on peut le dire, largement généralisé aujourd'hui, mais plus gravement qu'au 8 Thermidor, car le mot a pénétré dans tous les partis. Ah. Merci très cher. France a exposé un contexte dont on va voir qu'il agit quant à la, on va dire, à la notoriété actuelle, le devenir de cet ouvrage qu'on a réédité et qui nous donne à réfléchir sur une filiation qui apparaît comme aller de soi entre dire Mathieu, Lefebvre, Sogoul. C'est comme tu me dis, dans la continuité finalement d'une même histoire de la Révolution française. Il faut savoir que cet ouvrage de Mathieu, La réaction thermidorienne, est en fait le quatrième volet d'une série qui a été entamée en 1922, que Mathieu appelle La Révolution française, et dont il dit que en publiant ce quatrième volume, il a fait quelque chose qu'il rêvait de faire pour les trois premiers, mais qu'il n'a pas pu faire en raison de la collection. Cher Mancolin, qui avait accueilli donc ces trois premiers volumes. Il indique que cette collection grand public, limitée dans le nombre de pages, est limitée du fait de cette collection grand public à une absence, enfin un texte absent d'appareil critique, ne lui permettait pas de développer ses thèses et de prouver ses assertions. Et lorsque l'édition Mancolin lui propose pour le quatrième volume de changer de collection et de pouvoir éditer un index, des notes de bas de page, une bibliographie, il va d'emblée, en préface de cet ouvrage,
saluer cette possibilité qui lui a été donnée et dire, donc à propos de Jacques Max Leclerc qui dirigeait Armand Poulain, dire toute sa gratitude. Enfin, le quatrième volume va pouvoir être scientifique. La situation est curieuse parce que, une fois Mathier décédé, en 1932, une fois Jacques-Max Leclerc, d'ailleurs décédé la même année, qui était un ami de Mathier qui dirigeait Armand Colin, c'est son fils qui prend sa place, on va demander à Georges Lefebvre de d'écrire une suite à la Révolution française d'Albert Mathier. C'est-à-dire d'écrire une suite aux trois premiers volumes qui avaient été publiés dans cette collection grand public. Voilà ce qu'écrit à ce propos Georges Lefebvre, à qui le fils de Jacques Max Leclerc va demander cette suite. Lefebvre écrit, donc en préface de cette Thermidorien, qui se substituera à la réaction thermidorienne de Mathieu, Georges Lefebvre écrit: de toutes ces entreprises, celle qui lui, par le Mathieu, celle qui était la plus chère, c'était sans doute cette histoire de la Révolution française dont il avait déjà donné trois volumes, qui ont pris rang sous les numéros 17, 42 et 93 dans la collection Armand Colin. Après l'avoir conduite jusqu'au 9 Thermidor, il s'apprêtait à la poursuivre. Son livre, La réaction thermidorienne, publié pareillement par M. Jacques-Max Leclerc et qui renouvelle sur plus d'un point l'histoire de cette période, atteste avec quel soin il s'était préparé, comme toujours, à la tâche prochaine. Mais il n'a jamais eu le temps de commencer le volume que nous attendions tous, d'accord avec le nouveau directeur de la collection Armand Colin. Nous avons estimé qu'il convenait de ne pas laisser son œuvre inachevée. Il m'a donc confié le soin de la poursuivre. Donc selon cette préface, les termes de rien que rédige Georges Lefebvre, Mathieu n'avait pensé la réaction thermidorienne que comme une ébauche d'un futur livre qui compléterait son histoire de la Révolution française. Or, quand on lit Mathieu, quand on se réfère à ce qu'il a pu écrire, ne serait-ce que dans l'introduction de cet ouvrage, ce qu'il a pu écrire également dans d'autres articles, par exemple dans un texte dont je reparlerai et qui est une critique de la manière dont Georges Lefebvre aborde la Révolution française, Albert Mathier dit « En 1922, ma Révolution française a commencé à paraître, elle atteint aujourd'hui la réaction thermidorienne. » Donc pour Albert Mathier, il ne fait aucun doute que ce quatrième volume est bien la suite des trois premiers. Ce n'est pas une esquisse, c'est la continuité. Quand on regarde un peu le devenir de cet ouvrage, on s'aperçoit qu'il va disparaître peu à peu. Par exemple, quand Georges Lefebvre, après la Deuxième Guerre mondiale, participe à des journées commémoratives de la Révolution française dans lesquelles on célèbre Albert Mathier, il cite tous les ouvrages d'Albert Mathier, mais pas la réaction thermidorienne. On s'aperçoit qu'un certain nombre de rééditions ont été faites, par exemple, et de traductions ont été faites, par exemple en Italie, de la Révolution française d'Albert Mathier. Donc on prend les trois volumes, et au lieu de prendre le quatrième, celui-ci, on prend le volume de Lefebvre pour compléter la collection. Donc il existe chez Einaudi, en 1952, une Révolution française d'Albert Mathier qui ne comporte pas la réaction thermidorienne, mais les thermidoriens de Lefebvre. Il y aura des rééditions assez régulières des trois volumes, les trois premiers volumes. En revanche, celui-là ne sera quasiment jamais réédité, sauf dans un reprint extrêmement cher, publié chez Megariotis en 1975 et adressé à un public très restreint. Donc, ce livre a une histoire, l'histoire d'un ouvrage qui a été occulté, et qui est occulté dans un moment, comme l'a rappelé Florence, où un lourd contentieux traverse l'histoire à gauche, en particulier en raison de ce qui se passe en URSS. Alors,
Cela dit, Lefebvre parle toujours avec beaucoup de chaleur de Mathieu. Dans ces différentes commémorations dont je parle, on encense toujours Mathieu, hein, comme étant le grand ancêtre. Mais à la lecture de ses préfaces, tout ça est édité. Ce ne sont pas, ce que je cite, ne sont pas des textes d'archives qui seraient enfouis sous la poussière. Tout ça est dans des livres, et donc est très lisible. Hein. Lefebvre, quand il participe à ces commémorations, et qu'il rencontre du travail de Mathieu, je disais, on parle avec chaleur, et on a l'impression que on assiste à presque un travail de muséification, de momification de l'ancêtre, que l'on révère, mais que l'on ne lit plus, ou dont on estime en grande partie que sa pensée est dépassée et n'a plus finalement de portée au moment où il parle, c'est-à-dire dans les années 50-60. On a fabriqué donc une continuité entre Mathieu et Lefebvre, alors que Lefebvre lui-même parle de ses désaccords profonds avec Mathieu. Des désaccords qui touchent à la fois à leur conception de l'histoire, je dirais à leur épistémologie, et plus encore à leur interprétation de la Révolution française. Et Lefebvre le dit explicitement en 1932, dans un texte qui est pourtant un texte dans lequel normalement on ne fait que rendre hommage à la personne dont on parle, puisque c'est la nécrologie, hein, qui lui consacre dans un numéro spécial des Annales historiques de la Révolution française, que Mathieu avait fondé. Et Lefebvre, dans ce texte, parle de Mathieu en ces termes, dans cette nécrologie, il dit que Mathieu avait finalement un horizon assez limité au point de vue économique et social, ce sont ces termes. Ce qu'il résume en considérant que Mathieu, je cite Lefebvre, n'était point économiste et statisticien. La contribution de Mathieu à l'histoire économique et sociale n'est pas bien sûr ignorée de Lefebvre, mais elle est jugée tardive, je dirais trop littéraire, c'est-à-dire somme toute brouillonne. Lefebvre formule sa critique en 1932 à un moment où l'histoire économique et sociale, pour laquelle il milite, cette histoire économique et sociale s'affirme. Vous savez qu'en 1929, c'est la création des Annales d'histoire économique et sociale, éditées toujours chez Armand Collin, et qui sont créées par Marc Bloch et Lucien Febvre. On retrouve d'ailleurs, dans la nécrologie que Lucien Febvre, cette fois, consacre à Mathieu dans les Annales, une tonalité assez proche du texte de Lefebvre dans les Annales historiques de la Révolution française. Le texte de Lucien Febvre s'appelle Albert Mathieu, un tempérament, virgule, une éducation. Donc, Lucien Febvre partage des louanges avec Lefebvre vis-à-vis de Mathieu. C'est la partie qui s'appelle un tempérament. Quand je parlais d'une momification, d'une muséification de Mathieu, on ne peut pas l'effacer. Il a la réputation d'être un homme, et il est un homme à fort caractère, caractéristique pour ses grandes colères, hein, autant célèbre pour son érudition et sa rigueur que pour son tempérament volcanique. On va dire. Donc, on rend hommage à l'homme, hein, à sa force de travail, à sa vigueur, mais en même temps, Lucien Febvre, comme Georges Lefebvre, souligne les limites d'une conception de l'histoire chez Mathieu, et c'est la partie qui s'appelle « Une éducation ». Une conception de l'histoire chez Mathieu qui, si elle n'ignore pas l'approche économique et sociale, du moins la marginalise. Voilà ce qu'écrit Lucien Febvre en conclusion de cette nécrologie qu'il consacre à Mathieu. Préparons-nous à soutenir de toutes nos forces ceux qui, reprenant en sous-œuvre patiemment, laborieusement, l'esquisse si largement enlevée jadis par Jaurès,
nous donnerons cette histoire révolutionnaire qui nous manque toujours, en dépit des travaux de Mathieu. Histoire de masse et non de vedette. Histoire vue d'en bas et non d'en haut. Histoire logée surtout dans le cadre indispensable, dans le cadre primordial des réalités économiques. Et d'abord d'analyse monétaire, d'études minutieuses des prix, de salaires, de change, reprises, coordonnées d'ensemble, non pas en France seulement, mais à l'étranger, si nettes, précises et sûres qu'on les puisse traduire en courbes et en graphiques, avec cet art et cette science du traitement statistique que personne ne s'est soucié d'enseigner aux historiens de la génération de Mathieu. Donc la thèse de Camille Ernest Labrousse sur le mouvement des prix et le revenu au XVIIIe siècle date de 1933. Elle la soutient un an après. Donc, Georges Lefebvre, qui est l'exact contemporain de Mathieu, je rappelle qu'ils sont exactement la même année, 1874. Georges Lefebvre explique la différence d'interprétation et la polémique qu'il a avec Mathieu par leur conception différente de l'histoire qu'atteste de son côté, en quelque sorte, Lucien Febvre. Voilà le passage dont j'ai cité tout à l'heure simplement la fin, dans laquelle, passage dans lequel Lefebvre rappelle cette tension, cette polémique qu'il a eue avec Mathieu. Peut-être n'ignore-t-on pas non plus que nous n'étions pas d'accord sur la véritable portée pratique des décrets de Ventouse, dont Florence parlait tout à l'heure, et qu'il m'avait assez vertement repris d'avoir constaté que les robespierristes n'avaient pas eu au fond de politique agraire. Et c'est là qu'il dit, de par toute son activité antérieure, Mathieu, en effet, n'avait nécessairement qu'un horizon assez limité au point de vue économique et social, n'était point économiste et statisticien. Les décrets de Ventouse sont ces décrets présentés par Saint-Just, que tu évoquais, et qui avaient pour objectif de redistribuer aux indigents les biens des suspects. Pourquoi Lefebvre dit-il que Mathieu l'avait vertement repris? Parce que Mathieu a fait une recension d'un livre collectif dans la collection Peuple et Civilisation, un livre qui avait été publié chez Alcan et que Lefebvre co-signait avec Raymond Guyot et Philippe Salnic. C'est d'ailleurs dans ce compte-rendu que Mathieu rappelle que le quatrième volume de sa Révolution française vient d'être publié. Mathieu reproche principalement à Lefebvre d'ignorer des pans entiers de la politique économique et sociale des robespierristes, et il reproche à Lefebvre d'en minorer systématiquement la radicalité démocratique et l'impact. Ce qui n'empêche pas, parce que c'est toujours compliqué, il ne s'agit pas de bons, de mauvais ou d'ennemis et d'amis, ce qui n'empêche pas Mathieu en même temps de saluer chez Lefebvre un discours en particulier vis-à-vis de Robespierre, hein, qu'il estime être proche, hein, de la vérité, en tout cas qui tranche avec le discours anti-robespierriste habituel. Donc Mathieu rend hommage à la manière dont Lefebvre, en justice à Robespierre en même temps, dit que Lefebvre met la pensée de Robespierre sous le boisseau, soit parce qu'il l'ignore, et on peut évidemment penser, soit parce qu'il le fait sciemment. Florence l'a rappelé, le courant qui tente à devenir dominant
d'interprétation de la Révolution française et que rejette Mathieu, c'est la Révolution française considérée comme révolution bourgeoise. Et Lefebvre s'inscrit dans cette Révolution française, considérée comme révolution bourgeoise, et dans cette version de l'histoire, les montagnards, donc l'expression la plus révolutionnaire de la bourgeoisie, et plus particulièrement Robespierre, qui en est la figure emblématique, aurait donc développé une politique essentiellement bourgeoise. Certes, il y a bien des audaces, mais qui ne sont qu'apparentes et qui s'expliquent dans ce discours de la Révolution bourgeoise d'abord par les circonstances. S'il y a des audaces apparemment sociales et dont on pourrait croire que les ventouses en sont, c'est uniquement parce que les montagnards sont contraints. Contraints du fait des luttes entre les factions de se rapprocher des sans-culottes. Et c'est dans ce cadre-là que Lefebvre interprète la Convention thermidorienne, et c'est dans ce cadre-là qu'il va rédiger les Thermidoriens pour remplacer le volume, quatrième volume, de la Révolution française de 1789. Je cite Georges Lefebvre, qui, dans les premiers chapitres, dans les derniers chapitres des Thermidoriens, encadre son histoire pour, de la Convention thermidorienne pour la resituer dans cette révolution bourgeoise. Voilà ce qu'écrit Lefebvre. Dégagé du tumulte éphémère des conflits politiques et replacé dans la perspective historique, l'époque, donc la Convention thermidorienne, retrouve son sens et son importance. Par-delà l'essai de démocratie sociale, où les nécessités de la lutte contre les ennemis de la Révolution avaient conduit les montagnards, donc sont les nécessités de la lutte qui les amènent à développer une politique sociale, les Thermidoriens ont renoué avec la tradition léguée par l'Assemblée constituante qui condamnait à la fois l'Ancien Régime et la démocratie pour assurer la prédominance de la bourgeoisie dont l'avènement, préparé par toute l'histoire de France, et légitimé par la capacité, pouvait seul, à ses yeux, assurer la prospérité de la communauté nationale. En revanche, pour Mathieu, la réaction, la notion de réaction, est entendue comme une régression en termes de principes et d'action politique. Elle n'est pas entendue comme une sorte de retour à la normale de la révolution bourgeoise, à la suite d'illusoires concessions faites au mouvement populaire. En revanche, l'analyse que propose Mathieu dans la réaction thermidorienne, que Mathieu propose de la terreur, qui tranche avec le volume de Lefebvre, cette analyse de Mathieu est centrée sur la notion de démocratie, et pas celle de révolution bourgeoise. Je le cite, Robespierre et ses amis furent grands, parce qu'ils ont compris que leur action gouvernementale, si résolue fut-elle, entre leurs mains, serait cependant impuissante à galvaniser les énergies du peuple français s'ils ne l'associaient pas, ce peuple, directement à l'exécution des lois, par une politique de confiance et de clarté. Tout à l'heure, Florence a rappelé que Mathieu proposait une critique du Parti communiste et qui l'oblige à en sortir en 1922, parce que on ne peut pas concevoir un sacrifice, disait-il, lorsqu'il y a obéissance passive. On ne peut pas gouverner les hommes indépendamment de leur volonté. Il dit exactement la même chose ici, à propos de la Révolution française. Dès les premières pages de son ouvrage, Mathieu indique que son objet sera de montrer comment la réaction thermidorienne rompt totalement avec un mode de gouvernement démocratique. Un gouvernement démocratique dont la fonction a été, dit-il, d'élaborer et de mettre en œuvre
une politique sociale favorable aux plus démunis et donc conforme aux principes républicains. En évoquant tout particulièrement le décret de Ventose, Mathiez écrit, je le cite, que Robespierre avait dépassé la politique démocratique, il était sur le chemin d'une révolution sociale, et ce fut une des raisons de sa chute. Jean-Humain Ducange, qui assiste souvent à ses travaux, qui ne peut pas être là ici, une révolution bourgeoise, une révolution sociale. À propos de cette politique favorable aux plus démunis, à propos de cette révolution sociale, Mathiez emploie le terme de dictature. Une expression qui résonne comme une contradiction, rappelée Florence. Si on ne se demande pas, mais à quoi correspond ce mot de dictature sous la plume de Mathiez, alors qu'on sait qu'il rompt avec le Parti communiste et la Troisième Internationale en dénonçant la dictature au sein du parti. Sous sa plume, la dictature de l'an 2 est associée, je le cite, à une politique résolument démocratique. Il définit le gouvernement révolutionnaire comme la dictature du bien public, ou encore la dictature de la Convention. Selon Mathiez, dès 1789, l'Assemblée exerce une dictature. Il dit « Cette dictature fut précisément invoquée avec une netteté saisissante pour triompher de la mauvaise volonté royale. » Mathiez souligne que cette dictature est à la mesure des enjeux. « Toute révolution, dit-il, est une guerre civile, car il s'agit de déplacer la propriété, et la propriété est ce qui est le plus cher au cœur de l'homme avec la vie. » En revanche, lorsque Georges Lefebvre évoque la notion de dictature dans le premier chapitre des Thermidoriens, ce livre qui remplace la réaction thermidorienne, donc, il désigne le pouvoir du gouvernement révolutionnaire qu'il dissocie de la Convention. Chez Lefebvre, l'expression « gouvernement révolutionnaire » ne tend pas à désigner un principe, mais il désigne une structure, et une structure qui est rivale de la Convention. Une structure qui ressemble, d'ailleurs, à s'y méprendre, à un pouvoir exécutif. Nous ne sommes pas, comme chez Mathiez, face à un gouvernement révolutionnaire entendu comme dictature du bien public ou dictature de la Convention, mais devant ce que rappelait Florence tout à l'heure, c'est-à-dire la dictature d'une minorité, les Jacobins. Et Florence l'a remarqué, je le rappellerai, au passage, que dès lors, Lefebvre forge les arguments, repris par Soboul, que François Furet mettra en avant pour théoriser la filiation d'un prétendu jacobinisme et du stalinisme. Chez Mathiez, au contraire, il faut entendre la dictature comme le travail politique du pouvoir constituant, dont la fonction est d'asseoir les principes démocratiques, c'est-à-dire ceux de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, ce qui implique, dit Mathiez, une certaine efficience. Il fallut user de la force pour accoucher du droit sous la Révolution française, comme sous toutes les révolutions passées, présentes, à venir. Si, après Thermidor, la dictature se poursuit, elle n'est pas, pour Mathiez, de même nature. Elle devient, je le cite, « une dictature de cupidité et d'impuissance ». En d'autres termes, elle est dénuée de vertu politique. Quelle est la manifestation de cette vertu politique, c'est-à-dire de cet amour de l'égalité, si on prend la définition de Montesquieu ou de Robespierre, lorsqu'il parle de vertu politique? Elle se trouve en particulier dans le programme économique et social des robespierristes qui lutte contre la domination des intérêts particuliers, un programme qui est mis en avant par Mathiez, alors qu'il est minoré par Lefebvre, dans la mesure, vous l'avez compris, où il cadre mal avec la révolution bourgeoise. Lefebvre, donc, délaisse ce que Mathiez a découvert, et que Mathiez s'est acharné, en quelque sorte, à transmettre.
et que les recherches actuelles, en particulier celle de Florence, qui a été, la recherche ont été pionnières en la matière, ce que les recherches permettent de préciser, c'est-à-dire l'émergence d'une voie politique originale, fondant les principes républicains sur la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, entendu non comme un catalogue de principes généraux et bourgeois, mais comme une norme constitutive des sociétés. Les hommes sont en état de société et non en état de guerre, les uns par rapport aux autres, que si et seulement si leurs droits sont réciproques. Ainsi, un homme n'est libre qu'à deux conditions, qu'il ne soit dominé par personne, mais aussi qu'il ne domine personne. Dès lors, il ne peut y avoir de liberté économique illimitée, dans un tel système, puisqu'une telle liberté n'en est pas une. Elle est la licence donnée à quelques-uns, en l'occurrence ceux qui maîtrisent l'appareil de production, de dominer les autres. Le contrôle économique qu'imposent les montagnards n'est donc pas un produit des circonstances. Il est fondamentalement inscrit dans cette idée, ce qu'on appellerait aujourd'hui la liberté comme non-domination, et qui est une autre manière, finalement, de désigner la vertu politique, c'est-à-dire ce qui permet de vivre dans le respect de la liberté de l'autre. Les montagnards ne sont pas hostiles à la propriété. Ils sont hostiles au fait qu'au nom de la propriété, on puisse attenter à la principale des libertés, qui est le droit à l'existence. Et c'est la raison, explique Mathieu dans cet ouvrage, pour laquelle les Thermidoriens ont mis fin à l'expérience robespierriste et évacué finalement une république pour lui en substituer une autre, en grande partie formelle. Cette république est une dépouille. Pour Mathieu, quand il écrit ce texte, retrouve la trace dans la Troisième République, dont il combat à l'époque le conservatisme et dont il combat la politique de classe, car son travail historique a, selon lui, des incidences politiques évidentes. Et ce sont ces incidences politiques dont on a perdu en grande partie aujourd'hui le fil, et dont cette réédition pourrait nous aider à le retrouver, principalement, pourrait-on dire, faute d'héritier, principalement faute de relais dans une gauche institutionnelle dont la réflexion a longtemps été cristallisée sur la révolution prolétarienne, et la question soviétique. Par ailleurs, le républicanisme et le robespierrisme enthousiaste de Mathieu a indisposé à l'époque nombre de ses contemporains. Et de nos jours encore, il est considéré au mieux, c'est-à-dire à gauche, comme un aimable arcanisme dont on voit mal quoi faire pour notre temps. Or, les idées de Mathieu n'ont peut-être pas eu de place pour exister. Elles ont été placées à l'écart des grands courants qui organisent toujours aujourd'hui les récits politiques et historiques. Et on peut estimer, et ce sera peut-être l'objet de la discussion, que en 2010, elle nous propose le passé, peut-être, en tout cas l'histoire de la Révolution française, dont nous avons besoin pour sortir des apories dans lesquelles nous nous trouvons. Je vous remercie. Excusez, mais ce serait plus courtois de demander qui a des questions. Donc je rappelle au retardataire qui est l'éditeur de cette affaire. D'abord une remarque qui n'est pas vraiment une question. Le coup de la révolution bourgeoise, il est chez Jaurès, complètement, de la façon la plus claire, en 1905. Dans l'histoire de la révolution française, c'est les premières lignes, il dit c'est une révolution bourgeoise et il explique pourquoi c'est le triomphe de la bourgeoisie, etc. Il est là-dessus un précurseur. Je pense qu'il ne l'a pas inventé, je pense que c'est la social-démocratie allemande, Kautsky, tous ces gars-là qui ont mis cette hypothèse de la révolution bourgeoise à l'œuvre. Donc c'est pas étonnant que les staliniens l'aient repris, mais je pense que je reste là-dessus, il est archi-clair et sans arrêt. Il ne va pas jusqu'à
souligner le grand écart dont tu parlais entre, oui d'accord, ils sont formidables, mais d'un autre côté, ils sont un peu contre le courant. Aussi bien les paysans que le peuple des villes, ils ont ce grand écart, c'est-à-dire que d'un côté, ils sont admirablement révolutionnaires, de l'autre, ils combattent la classe qui est la classe motrice, ils sont aussi contre-révolutionnaires. Ça, je ne le dis pas, je reste à dire pas ça. Alors, après, c'est des questions. Premièrement, autour de moi, mes amis, beaucoup plus jeunes, qui, dans l'ensemble, ont une vision assez négative de la Révolution française, ils disent que c'est une révolution bourgeoise. Alors, si on les pousse dans leur retranchement, ils disent ça, au fond, parce qu'il est vrai que la plupart des dirigeants, des ténors, des gens en vue, de ceux dont on parle, sont, à notre sens, à nous, des bourgeois, des avocats, des hommes de loi, énormément d'avocats, Robespierre avocat, Danton avocat, Saint-Just avocat, énormément de gens comme ça, qui aujourd'hui se qualifient un avocat, c'est un bourgeois. Même si, évidemment, à l'époque, ces gens-là qui n'étaient pas du tout, pour la plupart d'entre eux, qui étaient plutôt des pauvres diables, n'auraient certainement pas été classés dans ce qu'à l'époque on appelait les bourgeois. Donc je pense que, dans la mesure où on cherche à sortir cette révolution bourgeoise de la tête des gens, il faut bien leur montrer déjà qu'il y a une erreur de sémantique. Et, alors là, c'est encore pas une question. Mais là, mon troisième point, c'est une vraie question. Quand on lit la littérature, les discours, les lettres, les comptes rendus des séances dans les diverses assemblées ou aux Jacobins, on entend parler pour désigner ce qu'aujourd'hui on appellerait des bourgeois, des accapareurs, des riches, des nantis, des possédants, et de temps en temps seulement, assez rarement, bourgeois. Je pense à une lettre de Pétion à Robespierre où il parle vraiment de bourgeois, et je voudrais poser la question, quand eux ils disent bourgeois, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Est-ce que c'est un équivalent, un synonyme de riche, possédant, nanti? Ou est-ce que, quand ils disent bourgeois, c'est quelque chose d'un peu plus structuré dans leur tête, pas une classe, bien sûr. Est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu plus, c'est ma question. Alors, pour Jaurès, il est certain que Jaurès pense, et c'est pour ça qu'il appelle ça une révolution bourgeoise, il pense que le socialisme est le fruit du capitalisme. Donc, il faut passer par la case capitalisme pour pouvoir voir le grand jour. Alors, évidemment, cette chose-là n'est pas encore rigidifiée à l'époque où Jaurès écrit. Elle va être rigidifiée plus tard. Elle va être rigidifiée dans la période de 1928-29 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire période stalinienne. Hein. Elle va devenir une rigidité de ce type-là. Mais c'est un vrai problème. C'est une vraie question. C'est une vraie question, bien évidemment, qui continue de se poser aujourd'hui. Dans les sociétés où il n'y a pas eu le triomphe du système capitaliste, est-ce qu'ils sont voués à attendre, à devoir passer par cette case-là, enfin, etc. Je veux dire, il y a un vrai problème de fond, il faut quand même être sérieux. Bon, alors ça, moi je réponds sur ce point-là. Il est vrai que Jaurès utilise cette façon de voir les choses dans cette perspective qui est la sienne et qui est certainement liée, bien sûr, à ce que tu as rappelé, c'est-à-dire à la social-démocratie allemande et française de cette époque-là, hein, mais qui va se rigidifier plus tard. Pour faire une oui. Je fais une parenthèse de temps sur ce point-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jean-Louis Ducange, qui a fait son travail sur cette question-là, et il met en évidence le fait que la notion vient de Kautsky, et qu'elle est en débat en Allemagne, que Rosa Luxembourg ne la partage pas, et que Rosa Luxembourg, par exemple, se situe sur un point de vue où, enfin, dans lequel les montagnards, Robespierre, seraient déjà sur les voies d'une révolution prolétarienne.
Donc il y a des débats. Il y a des débats également, Kautsky, Jaurès, il y a une correspondance, Jean Dumas vient d'ailleurs de la rééditer, je ne sais pas si elle en arriverait encore, mais ça serait intéressant de voir comment les arguments s'échangent, hein. Mais de fait, c'est quelque chose qui se discute, et c'est les travaux de Kautsky, qui sont plutôt des travaux théoriques sur la Révolution française, qui vont servir de matrice. Il faut encore la tester, encore plus que ça ne l'a été. Mais d'après les travaux donc, de Jean Dumas, on peut penser que Kautsky est la matrice, puisqu'il a écrit ça avant de devenir le traître Kautsky, oui. Et la matrice de l'histoire de type soviétique dont Florence a montré comment elle se fixe et se fixe à partir du congrès de 1928. Donc évidemment, il y a des trajets, il y a des débats. Il y a des débats avant, à partir de 1928, le débat est clos. Donc il faut recontextualiser la notion et pas simplement la prendre comme telle. C'était pas fort en place. D'abord, on m'a demandé de lire, je ne connaissais pas lire, mais je vous remercie pour ça. La question que je voulais poser est sur un aspect un peu différent. Si je comprends bien enfin, ce que vous en avez dit, Mathieu, pardon, oui. J'ai d'abord appris à rectifier ma prononciation. Comment dire, il a mis en avant la lutte de classe comme explication des développements successifs de la Révolution française. Enfin, vous l'avez dit, puis peu que j'en ai lu, il me semble. Or, qu'est-ce qu'il en est de cet aspect-là dans son explication de ces mesures sociales, c'est-à-dire de la part de la lutte des classes entre la bourgeoisie, les sans-culottes, la paysannerie, mais en fait entre les diverses couches de la bourgeoisie elle-même. Enfin, tout cet aspect-là comme arrière-plan et comme explication de ces mesures sociales, est-ce qu'il abandonne la lutte entre les classes, la lutte complexe entre les différentes classes sociales, entre leurs représentants, comme facteur décisif de l'explication au profit d'une vision un peu plus idéaliste, enfin l'incarnation de principes et de valeurs, est-ce qu'il y a une évolution de sa pensée après qu'il a quitté le Parti communiste ou après 1928, enfin, parce que je veux dire, dans ce que j'ai compris, l'explication qui a été faite hein, de sa défense de ces mesures sociales, apparaissait peu le fond de lutte de classe qu'il y avait, et notamment peut-être l'intérêt de la bourgeoisie, de certaines couches bourgeoises, de certains de ses représentants, d'appuyer ces mesures, de concéder ou d'appuyer ou de défendre ces mesures dans son intérêt bien compris, autant que dans l'intérêt des couches populaires qui ont gagné. Je complexe. Merci. On peut demander, ce que vous disiez pour Jaurès, oui, il faut passer par la case, par la case capitaliste, mais à la racine de tout ça, je ne sais pas si je me trompe, je ne pense pas, mais c'est Marx. Marx lui-même, il a du mal à embrayer avec la Commune de Paris. Alors, au moment de la Commune de Paris, il n'y a pas d'usine, je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux, et c'est très embryonnaire. Et il a toujours dit que si la révolution n'éclatait pas en Angleterre ou aux États-Unis, les pays les plus développés, les autres ne pourraient que suivre ce qui a donné les grands débats des années 50 et surtout 60 avec le tiers-mondisme et Castro et Cuba qui effectivement tout d'un coup veulent mettre en marche le communisme alors qu'il n'y a pas vraiment eu d'accumulation du capital comme le demandait ou comme l'aurait supposé Marx pour qu'une révolution réussisse. Et en Russie c'est pareil, il y a 2 millions d'ouvriers sur 78 millions de personnes au moment de la révolution russe, une masse de paysans énorme, et Staline se justifie, enfin je vais vite, hein, mais Staline et les staliniens se justifient en disant il faut faire une accumulation du capital, il faut aller ramasser des grains dans les campagnes à tout prix, il faut envoyer des milices ouvrières ramasser les grains que les paysans cachent, il faut absolument pressurer les campagnes pour nourrir les ouvriers, parce que sinon on ne va jamais, jamais pouvoir s'en sortir, on a tout le monde contre nous. Un peu comme la Révolution française qui était encerclée, il faut qu'ils fabriquent des armes dans les usines et on a besoin de ces... Alors, à la base même, c'est quand même Marx, et Marx,
enfin vous êtes bien sûr des auteurs, mais Marx il a même tout le poids d'une volonté qui se dit pas ouvertement, il ne l'a jamais dit ouvertement, enfin il l'a laissé entendre, qui se veut, pour la première fois dans une analyse sociale, scientifique, donc avec des lois historiques. Il se veut le premier à vraiment poser l'histoire comme ayant des lois. Et ça se continue jusqu'aux annales avec Marc Bloch dit l'histoire est une science en formation. Enfin, je vais peut-être passer pour réactionnaire, mais je trouve toujours ça curieux qu'ils disent ça, parce que je ne vois pas de grande science dans l'histoire, mais par contre les staliniens, qu'est-ce qu'ils en ont fait un drapeau de cette science historique qui commence à flageoler un peu. Et les oukases données par ces lois scientifiques ont fait des millions de morts quand même. Il faut Todorov, la linguistique et tout ça, et ça fonctionne toujours. Et la bourgeoisie est la maîtresse de ce monde-là, puisque je pense que c'est elle qui a établi la science sur l'autel du progrès. Enfin, voilà ce que je veux dire. À la base, à la racine, c'est Marx. Quoi. Et je pense que chez Marx, il y a une fissure que personne ne veut voir. Parce qu'il y en a sur le peuple au bras nu, si je me rappelle bien, qui prend cette position que les révolutionnaires, effectivement, fêtaient aussi les sans-culottes, mais pas du tout par une analyse marxiste. Mais à la base, il y a une fissure chez Marx, mais moi qui me gêne aussi, hein, mais j'aimerais tellement qu'il soit parfait. Mais bon, mais c'est, ça ne va pas bien, quoi, quelque part. Et elle est toujours entretenue. Voilà ce que je veux dire. J'étais bousculé. Non, je suis quand même un peu perturbé dans mon stalinisme et dans mon marxisme, parce que vous avez dit, parce que aujourd'hui on appelle staliniens, si j'ai bien compris, tous ceux qui ont eu leur carte du Parti communiste jusque dans les années 1982 et demi, donc on peut être perturbé dans son stalinisme, tout en étant né un an avant la mort de Staline, et en comprenant pas très bien l'immensité de cette étiquette, vraiment, qui nous obsède, je crois, quand même beaucoup trop, parce que le dernier million de morts, à ma connaissance, c'est le million de morts en Irak. On en est loin de tous ces drames dont on nous a rebattu les oreilles. Alors, j'accouche enfin pour parler vulgairement. Moi, j'ai suivi les cours de Soboul, évidemment, je ne suis pas devenu un spécialiste, un historien, mais un étudiant en histoire, je l'ai été. Et d'ailleurs, il disait Mathiez. C'est pour ça que je dis Mathiez, mais il faut dire Mathiez apparemment. J'ai vu Soboul, alors certes dans les années 80, qui avait l'air de tenir la route sans drame. Immense admiration pour Robespierre, immense admiration tant qu'on y est pour Mathiez ou Mathiez et pour Lefebvre. Ça n'avait pas l'air d'être dramatique subjectivement pour lui. De dire, comme l'a dit Yannick Bosc, que bah, Thermidor, en gros, oui, c'est un retour à la normale de la révolution bourgeoise à la suite d'illusoires concessions faites au mouvement populaire. On peut très bien admirer un Jean Hus, un Savonarole, un Illuminé quelconque ou un Robespierre qui est bien au-delà de tous ces gens-là, et en reprenant le classique schéma marxiste ou hegelien si vous préférez, considérer que l'histoire est un vecteur orienté qui passe par certaines étapes. Et comme on l'a dit trois fois, c'est pas Jaurès tout seul qui l'a dit, avant la case capitalisme, avant la case socialisme, il faut passer par la case capitalisme. Cela dit, dans mon marxisme, et qui plus est marxisme-léninisme, je suis un peu perturbé aussi, parce que ces staliniens que je connaissais pas des années 28-30, hein, qui n'ont pas grand rapport avec Valdecrochet ou avec Togliatti ou avec Maurice Thorez, parce que si stalinisme ça veut tout dire, 70 ans de socialisme réel, je m'y perds. Ces historiens des années 28-30, ce parti communiste qui était une secte, qui n'était pas encore le parti communiste du Front populaire, qui a donc dit en gros, si j'ai bien compris, que Mathiez était une sorte de hyène dactylographe. On a dit ça plus tard à propos de Sartre, cette compagnon de route qui n'ont pas été assez francs du collier au gré du parti communiste français. Ces gens-là, leur gauchisme théorique, finalement, il est aussi dans un certain Marx. La question juive est une critique un peu outrancière, c'est le moins qu'on puisse dire, de la Déclaration des droits de l'homme, qui serait une déclaration qui délimite, un peu comme on délimite un champ par deux champs par une palissade, mon droit par rapport à celui du voisin, dit Marx. Critique l'article 4, notamment, la liberté s'arrête au moment où on commence à nuire à celle d'autrui.
je cesse de faire un discours informe et solitaire en vous disant ceci. Où est le drame? C'est ça qui me titille dans votre manière de présenter les choses. Lénine, après tout, tranche le nœud gordien. Il n'a pas dit que la Russie, et ça aussi, ça a été dit, est obligée de passer par le capitalisme pendant 3 siècles avant de faire sa révolution. Donc, on a parlé de l'affreux Staline, mais un prolétariat embryonnaire dans un pays essentiellement paysan, ce n'est pas nécessairement la case capitalisme pendant 3 siècles. Il ne cesse de boire les leçons de la Révolution française. Pour la tactique de sa propre révolution, il la cite sans cesse. Chez nous, il y a notre montagne, notre Gironde, dit-il à propos du parti bolchevique. Bref, j'ai été mal à l'aise sans cesse parce que je ne vois pas très bien où est le drame. Quand on dit « c'est une révolution bourgeoise », peut-être que le mot est faux historiquement, je vous laisse enfin la parole, et quand d'autre part, on admire des révolutionnaires qui, sur certains points, sont peut-être venus trop tôt, sont nés trop tôt dans un monde pas encore assez vieux. Moi, j'ai été formé à cette vulgate et je trouvais que ça avait sa cohérence. C'est pour ça que je suis étonné que vous disiez que c'est incohérent. Que ce soit faux historiquement, c'est une autre affaire. Alors, je vais répondre par un problème. Les esclaves de Saint-Domingue se sont révoltés contre l'esclavage. Et ont-ils eu tort de se révolter contre l'esclavage et de conquérir leur indépendance en partir de 1804? Ou étaient-ils en avance sur leur époque? Ou fallait-il qu'ils attendent encore quelques siècles que les conditions de je ne sais quoi arrivent, alors que nous sommes ici, là, dans le capitalisme le plus pur qui soit, la plantation sucrière du 18e siècle? C'est vraiment la matrice du capitalisme, pour le dire de façon claire. Les physiocrates, qui sont les grands économistes du XVIIIe siècle, viennent tous des colonies esclavagistes. Ils ont tout appris de ce système là-bas, dans les colonies. Et comme il y a une crise dans les Amériques, une crise du système colonialiste esclavagiste, ils vont se replier sur les métropoles. Les physiocrates vont être les premiers... Enfin, le premier, j'en sais rien. En tout cas, des théoriciens qui se replient des colonies qui sont en crise, parce que, pourquoi elles sont en crise? Parce que le prix du captif africain hausse. Le prix du captif africain hausse, le système est en danger. Le système de la plantation sucrière est en danger. Évidemment, on peut avoir une vision de l'histoire, une conception de l'histoire purement économiste, c'est-à-dire le coût de la main-d'œuvre. Hein, et on est en train de tourner autour de cette question-là. Qu'est-ce qui est gênant dans cette histoire? Ce qui est gênant, c'est de ne plus voir l'histoire. C'est d'avoir des soi-disant lois de l'histoire qui remplacent l'histoire. Il n'y a plus d'histoire, alors. Tu es l'invité, je suis impoli, mais je dis une phrase pour que tu répondes vraiment. Tu es d'accord que le marxismo-lénino-stalinisme, mao-tse-tungisme, n'a fait que accélérer l'histoire et considérer qu'on ne passe pas par la case capitalisme. Si tu tiens compte de cela et du fait que je l'ai dit, je te laisse enfin répondre sans t'interrompre. Vas-y, vous voulez dire quelque chose? Personne n'a dit que la révolution arrive trop tôt dans le mouvement stalino-maoïste du XXe siècle, à ma connaissance. Au sujet des staliniens, je crois qu'il y a une chose qui gêne beaucoup. Bon, c'est, bien sûr, c'est les millions de morts. Mais ce qui gêne énormément, c'est surtout pourquoi ils ont été tués. Pourquoi ils ont été tués? Par exemple, le 14-18, 11 novembre, l'armistice, tout le monde sait pourquoi les poilus ont été tués. Évidemment, il y a eu des erreurs, mais on n'avait pas le temps, et Staline avait raison, de toute façon, c'était le meilleur d'entre nous. Alors Tchouev revient souvent à la charge, il dit, mais quand même, vous avez été longtemps à côté de Lénine, de Kamenev, oui, mais ils avaient trahi, et il lui pose même une question qui serait vraiment étudiée, c'est, mais même certains officiers ont été arrêtés parce qu'ils avaient vu Jagir de loin. Ah ben oui, mais quelque part, et ça m'a rappelé toute l'Inquisition. Bon, c'est vraiment l'Inquisition. Depuis 1970, c'est encore la faute aux staliniens. C'est ça que je trouve un peu trop, si vous voulez. Donc, je vais parler de ça. Nos orateurs devraient pouvoir parler, sinon ils vont être vexés. Et évidemment, monsieur, après. Non, mais allez-y. Non, mais ça y est, je... Oui, non, pas vous. Non, le voisin. Ah, oui, parce que je vois très bien. Il y a le livre de Nienberg qui s'appelle « Le procès des lumières », où justement, il étudie ce qui nous intéresse en ce moment. Comme vous disiez, dans les années 70, comment on est passé de l'antitotalitarisme au procès des Lumières. Et donc, il a étudié Claude Fort,
von Hayek, hein, le grand patron de l'ultralibéralisme, François Furet, dont j'ai appris qu'il était au cabinet d'Edgar Faure, d'ailleurs, etc. Quoi. Jusqu'au nouveau philosophe, c'est très intéressant. Alors, une question, un détail qui n'en est pas un, comment défini, parce que je ne suis pas historien, mais je suis plutôt philo, comment on définit le jacobinisme? Je vous dis ça parce que, dans un débat à France Culture, j'ai entendu un monsieur qui disait le jacobinisme monarchique. C'est tellement devenu synonyme de dictature que ça y est, quoi, les rois. Voilà, c'est tout. On a atteint le fond du n'importe quoi, absolument. Mais c'est intéressant. Bon, c'est intéressant de répondre spécifiquement à la question que pose Jean. Je pense que tu peux y répondre. Vous pouvez y répondre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, 40 ans après le bouquin de Furet et 60 ans après le bouquin de Sobul, comment ça se fait qu'on considère encore que la vulgate marxiste mécaniste stupide est un obstacle à la bonne compréhension de la Révolution française? Je ne parle pas des éditions sociales étant les éditions du Parti communiste, ayant réédité le Robespierre de Mathiès il y a une trentaine d'années, etc. Il y a les deux, c'est pas dans l'enfer. C'est le Parti communiste qui a édité Mathiès, c'est la fameuse volume de Poprenne à l'époque où il était encore en piscine, c'était le frère de Claude, c'était Jean qui avait fait l'édition. Oui, les classiques du peuple sont une mine pour lire du Babeuf, lire du Robespierre, mais on est dans un discours de Robespierre ou de Babeuf qui est encadré dans une lecture qui est celle de l'histoire avec un sens et avec un moment, Révolution française, qui est marqué comme Révolution bourgeoise. Ce qui implique que, par exemple, quand Robespierre intervient, par exemple, sur la question du marque d'argent, cette intervention sera considérée comme une intervention purement politique et ne sera pas prise au sérieux dans le sens d'une critique d'une politique économique et sociale qui engage maintenant le libéralisme économique, par exemple. Elle n'est pas prise au sérieux parce qu'elle n'est pas pensable à un moment où il s'exprime. Si Robespierre est à la fois apprécié par le Parti communiste et qu'il est édité, il est, comme étant apprécié, il est dans le sens de l'histoire. Le Robespierre qui s'exprime là est un Robespierre bourgeois, qui va dans le sens de la révolution bourgeoise, hein, et dont le discours ne peut pas s'opposer finalement à cette révolution-là. Au bout du compte, en dépit, c'est la position de Lefebvre, hein, en dépit des aléas, des apparences, des discours qui peuvent avoir comme ça des échos qui sont finalement des échos populaires, il est un libéral. Il est dans le sens d'une pensée libérale économique. Et c'est la résultante du fait qu'on l'aime. Puisqu'on apprécie Robespierre, il doit non pas être un réactionnaire, mais être dans le sens de l'histoire. C'est encore des choses qui m'ont été reprochées il y a 15 jours, un mois. C'est-à-dire que j'ai beau citer des textes de Robespierre qui montrent qu'il y a quand même une certaine cohérence, ce que dit Mathieu déjà en 1930, que comment, mais Georges Lefebvre, vous n'avez pas lu les discours de décembre 92 de Robespierre, vous ne savez pas qu'il a soutenu d'Olivier au moment de la fête à Simoneau, donc un martyr de la liberté économique, pour s'opposer à cette fête. Comment pouvez-vous parler de ça? Ce qui est le débat Mathieu Lefebvre en 1930 est encore là de nos jours. Pourquoi? Parce que si on raisonne dans le cadre de l'action bourgeoise, moi je ne suis pas philosophe, je suis historien, je ne peux pas comprendre les textes que j'ai devant moi. Je n'arrive pas à saisir le sens de mes archives. Je ne saisis pas pourquoi Robespierre, s'il est un bourgeois libéral, est en même temps celui qui déploie les fondements théoriques d'une critique de la liberté économique. Ça ne peut pas tenir. Donc, comme je suis historien, je me dis, bon, je vais croire mes archives, hein, et je vais me dire, mais
pour comprendre ce que j'ai soulevé, il faut que je sorte de cette lecture, qui a pu d'ailleurs, indépendant de ça, être tout à fait porteuse de travaux, parler des remarquables de Sogoud, de Lefebvre, etc. Ce sont des très grands historiens qui ont produit énormément de connaissances, en raisonnant dans un cadre qui va faire que leur érudition va être orientée d'une certaine manière et va être empreinte de contradictions. Ce que tu évoquais, hein, chez Sogoud ou chez Lefebvre, quand Lefebvre est à la fois celui qui montre ce qu'est la culture politique du mouvement populaire, hein, paysan, et que comme ça ne rentre pas dans le cadre, il est obligé d'en faire aussi un mouvement qui est passéiste. Hein. Donc voilà, c'est simplement ça. Je ne peux pas penser la Révolution française, réfléchir à la Révolution française, dans mes archives, à partir du cadre de la Révolution bourgeoise. Donc, ça me conduit à le remettre en cause et à penser à un autre cadre. Mais je vais peut-être essayer de répondre un petit peu à la question que vous avez posée tout à l'heure, mais qui est complexe, hein, très complexe, sur le républicanisme et les mesures sociales. Je ne pense pas non plus qu'on puisse enfermer l'histoire dans la personne de Karl Marx. Marx, il est dans une période historique précise, qui est le 19e siècle, il réfléchit, il essaye d'avoir une méthode, et je ne pense pas que ce soit un pape, ni un dogmatique. En tout cas, quand je le lis, ce n'est pas ainsi que je le lis. Et je n'en fais pas, en plus, de thèmes, des choses qui peuvent être erronées chez lui. Et quand même, il faut avoir le courage de dire que parfois il s'est trompé. C'est important tout de même, et de ne pas le considérer comme l'infaillibilité papale. Il y a quelque chose de ridicule là-dedans. Quand il fait la critique, par exemple, dans laquelle il dit, parce que moi je l'ai fait dans Triomphe et mort du droit naturel en révolution, j'ai pris très précisément, j'ai fait tout ce travail, parce que je connais assez bien Marx, hein, j'ai fait tout ce travail très précis de vérifier si les connaissances de Marx, étaient suffisantes pour qu'il puisse comprendre des effets, des débats, des questions de la période révolutionnaire. Et j'ai montré dans ce travail que très souvent, il ne l'est pas. Et j'explique en quoi ça ne l'est pas et pourquoi il se trompe. Bien, voilà, je reprends autre chose. Alors, ce qui me gêne beaucoup ici, c'est qu'on a l'impression que le socialisme appartient au marxisme, et puis c'est tout. Comme si l'humanité ne s'était jamais posé ces questions au préalable. Moi, je suis une historienne de la Révolution française, je travaille avant que Marx ne soit né. Et je constate quoi? Que nous avons une demande, une proposition politique, économique et sociale qui est non seulement contre le système féodal, bien évidemment, ce qu'il en restait, mais il en restait beaucoup, dans un système féodal particulier qui n'est plus asservissant, veut détruire le système capitaliste et qui pose très bien le problème et qui a des moyens pour construire une alternative économique, une conception de la politique qui est fondée sur une véritable démocratie à souveraineté populaire qui est réelle et qui n'a rien à voir avec de l'idéalisme, n'est pas un républicanisme idéaliste, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, ces choses-là, alors que c'est une tradition populaire qui existe dans le domaine ouest européen, qui a son histoire, sa propre histoire, et qu'il est intéressant de connaître. Cette histoire-là, elle est réelle. Lorsque vous avez l'invention de l'organisation de la communauté villageoise à la chute de l'Empire romain, que vous avez vraiment une création, une invention sur le concept du droit, d'une économie paysanne, de biens communaux, des biens communaux, mais ce sont des choses qui étaient beaucoup plus proches du socialisme que ce que nous pouvons connaître dans notre propre société aujourd'hui. Alors, je veux dire que cette façon de prendre le socialisme confisqué et le laisser au marxisme, je trouve ça un peu dur. Je suis sûre que si Marx était là, il ne serait pas d'accord. Excusez-moi, je retire. Il pourrait là. Point barre. Mais je trouve que ça n'est pas possible. Pour moi, je ne peux plus expliquer l'histoire, je ne peux plus rien comprendre s'il faut passer par la case machin. Hein. C'est absolument absurde. Pour moi qui suis historienne, oui, ben justement, on est avec Jaurès dans l'autre chose, dans une chose qui est absolument contraire. Et chez Georges Lefebvre aussi, donc il faut savoir de quoi on cause. On a essayé, Yannick et moi, de mettre la clarté dans le débat. Je voudrais continuer.
mesure sociale. Alors je reprends le droit à l'existence. Le droit à l'existence, c'est une chose extraordinairement intéressante. C'est conçu par le mouvement populaire depuis fort longtemps. Hein, ils n'ont pas attendu le XVIIIe siècle pour dire « nous voulons exister ». Nous voulons vivre de notre travail et cesser de payer des rentes aux profiteurs et aux parasites. Ils l'ont déjà fait au XIe siècle pour dire qu'ils en avaient assez de la féodalité asservissante et ils ont créé un immense un système complètement différent. Mais je passe au XVIIIe siècle et pendant la période révolutionnaire, ils sont affamés par le système capitaliste de leur époque et qui est celui de l'arme alimentaire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'arme alimentaire. Hein, bon, voilà. Tout le monde connaît, ben oui, bien sûr. Et ça fait longtemps qu'on commence à connaître. Et c'est organisé par des spéculateurs qui spéculent sur la hausse des prix des grains et qui font payer la hausse des prix, hein, comme tous les spéculateurs savent le faire, avec regarder ce prime, par les plus pauvres, bien évidemment, les plus pauvres. Ce sont les plus pauvres qui vont mourir de faim, puisqu'à cette époque-là, c'est ainsi que ça se passe, ils vont mourir de faim. Bon, la révolution va venir après des expériences d'économistes qui reviennent des colonies esclavagistes et qui ont inventé cette idée de la science économique, qui le ramène de leur expérience de la plantation esclavagiste. Moi, je n'ai jamais vu ça chez Marx, quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Je trouve que là, le pauvre, il est quand même bien lourdement chargé. Mais bon, lui qui considérait que le prolétariat du XIXe siècle était précisément dans un état d'esclavage proche de celui des plantations esclavagistes, il savait de quoi il parlait, puisqu'il connaissait bien les physiocrates, hein, dans les théories de la plus-value, il connaissait en détail, et il appelle cela l'esclavage moderne par référence avec les physiocrates. Il voit très bien de quoi il retourne. Hein. J'ai travaillé sur ces questions parce que j'ai trouvé ça tout à fait remarquable. Je reviens donc à mon droit à l'existence, et ce droit à l'existence, il est pensé en termes de droits de l'homme dans le cadre de cette idée des droits de l'homme et du citoyen qui n'a jamais été, jamais, j'aimerais au moins que vous reteniez ça de cette journée, jamais été une théorie au service des classes dominantes et de la bourgeoisie en particulier, qui est bien incapable de penser des choses pareilles. Comment voulez-vous que la bourgeoisie pense une chose aussi étonnante que les droits de l'humanité? Enfin, quoi? Je les vois apparaître, et je suis venue vous en parler dans ton séminaire de samedi, l'année dernière, justement sur cette question du droit naturel, les droits de l'homme et du citoyen, ils sont inventés, réinventés dans chaque période historique, et qui en a besoin, et qui les utilise, comme on vient de les réutiliser à partir de 1946 en France, et en 1948 à l'ONU, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je ne pense pas que ce soit une invention de la bourgeoisie. La bourgeoisie, qu'est-ce qu'elle fait? Du capitalisme. La bourgeoisie, elle fait des profits. Elle sait ce qu'elle fait. Elle ne fait rien d'autre. Elle n'a pas inventé l'idéalisme ceci, l'idéalisme cela. C'est pas elle qui invente ce genre de choses. Je trouve que c'est tout à fait curieux. Elle s'inscrit dans autre chose parce qu'elle essaye d'en prendre le pouvoir à la direction. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, lorsqu'elle est véritablement portée par le mouvement populaire, elle installe une société dans laquelle vous avez des éléments qui sont parfaitement socialistes, bien évidemment. Quand les paysans suppriment, que la Révolution française réalise, hein, s'il vous plaît, une réforme agraire qui a redistribué la terre aux paysans. 50% des terres cultivées à l'époque ont été rendues aux paysans sans rente. Hein. Ils ont supprimé la rente. Ce qu'ils voulaient, c'est que la totalité des terres soit sans rente. Bon, ils ont obtenu 50%, plus tous les biens communaux. La gestion des biens communaux est une gestion extrêmement socialiste. C'est très intéressant de voir cela. Et non pas de les mépriser parce que ce sont des paysans. Depuis le 19e siècle, il faut mépriser la paysannerie. Hein. Vous le savez aussi bien que moi, on apprend ça à l'école, c'est ça qu'on nous répète et aujourd'hui, c'est toujours la même leçon que l'on nous fait. Mais ces paysans, ils s'organisaient entre eux et la communauté villageoise, avec ses biens communaux et ses droits d'usage, était une véritable forme de droits sociaux et de protection sociale qui est mise en pratique depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, ces questions, et Marx les appelle, parce qu'il me semble que moi je n'ai pas lu même Marx que vous, j'ai l'impression, mais enfin, que Marx appelle cela aussi des moyens, des protections sociales dans un système qui n'en avait pas d'autre. Et quand vous avez du chômage et des gens qui ont des problèmes, ils sont aidés par la communauté villageoise grâce aux biens communaux, aux droits d'usage. Et il y a même des réserves de terres dans les communautés villageoises qui sont
qui appartiennent en biens communaux aux communautés villageoises et qui sont distribués ou donnés à des très bas prix, enfin des très bas taux de fermage, de façon à ce que leur existence économique soit assurée. Alors, je veux dire, ce sont quand même des pratiques qui ont un caractère social très très fort, très 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 puissant, qui sont intéressants. Et dans cette, dans toute cette histoire, nous avons des éléments de socialisme, c'est évident, qui sont là bien présentes. Le droit à l'existence, c'est un concept qui demande d'organiser dans une société, et c'est pas cadeau qui vient comme ça du ciel, certainement pas, c'est en fonction des possibilités de la société, bien sûr, mais à condition qu'elle ne soit pas gérée avec des gens qui parasitent l'économie et qui doit permettre d'assurer l'existence, hein, évidemment, le droit au travail. Alors, on nous dit le droit au travail de 1848, c'est un grand progrès, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire, le droit à l'existence. Le droit à l'existence, c'est une notion qui est beaucoup plus complète que le simple droit au travail. Donc, c'est tout à fait intéressant. Dans le droit à l'existence, il y a bien évidemment intégré le droit au travail. Donc, quand on regarde de près les expressions politiques, économiques et sociales du mouvement populaire de la période révolutionnaire, on est devant un programme qui a évidemment des aspects tout à fait socialistes. C'est une évidence. Et ça n'est pas un caractère bourgeois. Encore une chose à dire sur cette question de la leçon bourgeoise, pardonnez-moi, c'est que ce qu'ont fait les historiens marxistes de 1928-29 dans leur congrès de Moscou, c'est de caractériser le mouvement populaire de la Révolution française de bourgeois. Attention, hein, de petits bourgeois. Mais entre le petit et le grand bourgeois, hop, ça glisse et pouf, on est dans la même chose. Évidemment, non. Mais enfin, bon, c'est ainsi que ça s'est passé. Jusque-là, avec Jaurès, nous avons une autre conception de la bourgeoisie, qui n'est pas celle du peuple intégré à cette affaire-là. Hein. Attention, je l'ai reprécisé tout à l'heure. Bon, voilà. Il y avait une question sur la place de la lutte des classes chez Mathieu. Oui, aussi. Elle est présente, évidemment. Et ça, il partage cette analyse avec Lefebvre. Quand Lefebvre dit qu'il y a une bourgeoisie qui prend le pouvoir, qui manipule, quand j'évoquais la politique de l'intérêt, hein, ou la dictature de l'intérêt dont parle Mathieu à propos de la Convention d'Armidorienne, et il a évidemment parfaitement conscience, il dit qu'on est devant des luttes entre des intérêts populaires et des intérêts dominants. Mais ça ne veut pas dire pour ça que la Révolution française, le processus ouvert en 89, est un processus bourgeois. Il y a des événements qui sont ouverts en 89 et qui ne sont pas, a priori, bourgeois. Le fait que la bourgeoisie, les gens qui ont de l'argent, les honnêtes gens, comme on les appelle à l'époque, ou l'aristocratie des riches, comme dit Robespierre ou Grégoire, soient des acteurs de ce processus, qu'il y ait des conflits politiques, qu'il y ait des tensions sur ce que doit être une société, qu'il y ait même des tensions sur des concepts. Qu'est-ce que la propriété? Que un certain nombre de personnes veuillent tirer la couverture à eux et prendre le pouvoir, profiter des événements, évidemment. Mathieu, quelqu'un qui ne se définit pas du tout comme un homme de système. Il emploie ce terme, je ne suis pas un homme de système, je ne fais que décrire ce qu'a été la Convention intermédiaire, c'est-à-dire un moment où un certain nombre de personnages essaient de capter le pouvoir pour leurs intérêts, parce qu'ils sont au service des intérêts de classe, et qu'ils se trahissent les uns les autres. Donc il va être très dans le détail de ces trahisons et de se repentir également. Hein, tout un tas de conventionnels qui, étant dans le sens du mouvement thermidorien, un tir de l'espiriste, on va dire, hein, vont comprendre ce qui se passe et être des acteurs, hein, d'un type de renversement, les insurrections de Prairial et avant de Germinal, qui seront d'ailleurs exclus de l'Assemblée. Donc Mathieu donne tout ce détail-là. Il y a ce substrat, hein, qui est important. Et il le dit tout simplement parce que quand on lit les textes qu'il travaille et qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire les textes de Montagnard, les textes de Robespierre, les textes de Babeuf, on dit ça. Robespierre dénonce une conception de classe de la propriété. Le marc d'argent, c'est ça. Le discours sur la guerre nationale, c'est ça.
quand il s'oppose à la manière dont la loi martiale est proclamée pour défendre la liberté du commerce des grains, il dénonce une politique de classe de la Constituante. Comment les riches ont appelé propriété uniquement ce qui leur propriétait à eux, des châteaux, des équipages, mais la propriété c'est autre chose. La propriété c'est une chose des plus humbles. La propriété c'est d'abord, même dit-il, la propriété de soi. C'est la propriété de mes droits, de ma liberté. C'est ce qu'il y a de plus humble. Et parce qu'ils ont une conception de classe, ils ignorent cette propriété du plus faible. Donc on trouve ce discours-là chez les Montagnards. Hein. Et Mathieu le reprend et le redit. Donc il ne lit pas du tout la lutte des classes. Hein. Simplement, il ne la place pas dans le même cadre, interprétatif. Voilà. Ce que vous venez de voir, on avait promis de libérer la salle à 20h30. Merci beaucoup pour votre présence et merci surtout, bien sûr, à Yannick Cazan, à Yannick Bosque et à Florence qui ont si brillamment animé cette soirée. À demain, pour ceux qui c'est bon.